J'avais une vie tranquille, j'avais jamais eu de problème, enfin, je manquais de rien, j'avais tout ce que je voulais, je voyageais beaucoup. Et du jour au lendemain, en fait, ma vie a chamboulé. Et à l'âge de 24 ans, je suis tombée malade, du jour au lendemain. J'ai commencé à avoir des douleurs aux pieds au début. Ça gonflait, ça me faisait des douleurs, donc c'était difficile pour moi pour marcher. On commençait vers les doigts, les poignets, ils gonflaient et je ne pouvais plus rien tenir. C'était affreux, j'ai perdu mon autonomie en fait. C'est comme si ma vie s'est arrêtée, mes plans sont tombés à l'eau. Tous mes projets sont tombés à l'eau parce qu'en étant malade, je ne pouvais plus continuer à travailler et faire ce que j'avais à faire. Donc j'ai commencé à. Vraiment, la souffrance a vraiment commencé là, à ce moment-là. J'ai fait plusieurs hôpitaux, j'ai vraiment fait les grands hôpitaux de Paris. Et j'étais un cas compliqué pour les médecins. Alors ça ne me rassurait pas du tout, parce que je me suis dit, moi, je ne suis pas médecin. Et les médecins, soi-disant, qui sont des grands médecins, des professeurs d'université, me disent que j'étais un cas compliqué. Donc, ils m'ont donné des traitements, ça ne fonctionnait pas. Ils ont tout essayé, j'ai eu des biopsies par-ci, par-là. En gros, j'ai eu, sur un an, on va dire, j'ai eu 7 interventions chirurgicales. Je suis arrivée même à un stade où je prenais 9 comprimés par jour. Et en plus, tous ces traitements en fait, que je prenais, apparemment, je devais les prendre à vie. Entre-temps, donc, j'ai connu le centre d'accueil et j'ai commencé à faire des chaînes de prière, à mettre en pratique tout ce qu'on me disait. Dès que je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais vraiment mon cœur ouvert. C'est-à-dire, je me suis dit, j'ai frappé à tellement de portes. Mes parents, ils ont essayé toutes les solutions possibles. Et on s'est dit, bon, là, c'est notre opportunité et c'était peut-être la dernière pour moi. Je suis arrivée quelques jours plus tard, 4-5 jours plus tard, il y avait la campagne d'Israël. Je ne savais même pas ce que c'était. Mais je me suis dit, enfin, le pasteur prêchait que la campagne d'Israël, c'est pour ceux qui veulent un miracle. Et moi, c'était mon cas. Je voulais un miracle. Donc, je me suis lancée. On m'a dit que la campagne d'Israël, il fallait faire des sacrifices, il fallait faire des jeûnes, des prières. À l'époque, je ne pouvais même pas faire des jeûnes parce que je prenais trop de comprimés. J'étais faible en plus. Donc, je faisais mon mieux. Je faisais ce que je pouvais, mais en tout cas, j'ai fait mon sacrifice et mon résultat aussi, je l'ai eu. Je l'ai eu vraiment très rapidement, le résultat. J'avais le cancer, mais dans ma tête, je n'ai pas accepté la maladie. Et c'est là que j'ai mis Dieu à l'épreuve. J'ai dit, mon Dieu, si tu es avec moi, si tu es le Dieu vivant que j'entends les témoignages de l'Église, et tu vas faire quelque chose pour moi, c'est là que je vais voir si tu es avec moi ou pas. J'ai mis Dieu à l'épreuve, j'ai fait un défi avec Dieu. Et là, en fait, quand ils m'ont enlevé la moelle osseuse pour me faire la chimio, ils m'ont fait une dernière opération au niveau du cou ici. Et ils m'ont fait une dernière opération pour voir quelle chimio ils allaient me faire. Et là, c'est par rapport à cette opération-là qu'ils n'ont plus trouvé de traces de cancer. Et quand ils m'ont dit ça, les médecins étaient vraiment étonnés de me dire ça déjà. Et le médecin qui était incrédule, il a dit que lui, il ne croyait pas en Dieu, mais que le fait que le cancer ait disparu, que lui, il était sûr, il n'est pas fou, que le cancer était là, mais que le cancer a disparu, qu'il croit que Dieu a fait un miracle. Donc moi, je vous dis, vous qui regardez mon témoignage, peut-être que vous n'êtes pas malade, ou peut-être même que vous vous êtes reconnu peut-être dans mon témoignage aussi, mais peu importe la situation, peu importe la situation que vous traversez, sachez qu'il existe une solution. Parce que Dieu, il est vivant. Le Dieu qui m'a guéri, il résoudra vos problèmes aussi. Bonjour à toutes et à tous, amis. Que Dieu vous bénisse et qu'il le fasse abondamment. Et cela, bien sûr, selon la détermination et la foi de chacun d'entre nous. En fin de compte, Dieu ne décide pas qui il bénira ou qui ne bénira pas. Parce que sa parole est déterminée et fixée depuis le départ. Nos attitudes, nos décisions, nos choix déterminent ce qu'il en sera de notre vie. Vous allez accompagner le témoignage de personnes qui, à travers leur foi justement, et parce qu'elles ont cru dans la parole qui leur était annoncée, ont eu leur vie transformée. Comme vous pouvez le voir ici, derrière moi, nous sommes dans l'esprit de la prophétie. Dimanche 11 mai sera le grand jour de la prophétie, sera le grand jour d'annoncer et de prophétiser la parole de Dieu, l'accomplissement de cette parole dans votre vie.
Cette prophétie s'est déjà réalisée dans la vie de centaines de milliers et de millions de personnes, si nous incluons celles qui tout au long des siècles ont cru en elle. Et à vous de déterminer d'être cette prochaine personne, cette prochaine personne qui verra s'accomplir dans sa vie la prophétie de Dieu. Soyez attentifs à ce qui suit. Ma situation n'était pas bien du tout, parce que j'ai rencontré quelqu'un et ce monsieur buvait. L'ambiance, c'était beaucoup de, des fois des menaces, beaucoup de disputes, des menaces, des disputes. Il n'y avait pas d'accord, d'arrangement entre nous, il n'y avait rien. Par rapport à cette situation, moi, je n'étais pas bien du tout. Hein, parce qu'à la suite de ça, justement, petit à petit, j'ai fait une première dépression. Et par la suite, j'ai rechuté, j'ai fait une deuxième dépression. Un matin, j'allais travailler à 6 heures du matin. Il y a une ouvrière qui m'a donné un semeur. Et quand je suis arrivée dans le métro, j'ai lu le semeur. Et le soir même, je suis allée au centre d'accueil, le soir même. Au départ, quand j'ai lu le semeur, j'ai vu que Dieu a guéri tant de personnes, a fait beaucoup de choses pour tant de personnes, et j'ai eu des doutes, hein, parce que je disais, Dieu, on ne le voit pas, il est invisible. Comment il peut faire? Comment il peut guérir les gens? Comment il peut faire tout ce que je vois sous mes yeux? J'ai eu des doutes. Comme j'étais vraiment, vraiment pas bien malade, avec ma dépression, j'étais vraiment pas bien, je suis restée et j'ai dit, si Dieu a guéri ces gens-là, pourquoi il ne peut pas me guérir? Mes symptômes ont commencé par des vertiges. J'avais une douleur dans la jambe, comme des picotements dans la jambe, au bras. Et quand je suis allée voir le médecin avait pensé que j'allais faire un AVC. Et par la suite, chaque jour, j'avais un petit truc qui se déclenchait. Après, j'ai eu des démangeaisons à la tête. Après, j'ai eu comme si j'avais un mouvement dans ma tête, comme si quelque chose marchait dans mon cerveau. Je perdais presque la mémoire parce que je restais là et mon esprit partait. Un bon moment et je redescendais sur terre. Et à ce moment-là, je suis allée faire quand même 2 mois de, comme si c'est de la rééducation, comme si c'est du yoga, de la rééducation. Il a fallu beaucoup d'exercices. J'ai participé aux chaînes de prière le mardi. Dès qu'il y avait un propos, j'étais là, je participais. Et j'ai participé aussi à la campagne d'Israël. La campagne d'Israël, le but, c'était, comme ça faisait 2 ans que j'étais malade, j'ai demandé ma guérison. J'ai eu ce jour-là la révolte parce que je voulais ma guérison. Et j'ai dit aussi à Dieu, si tu as guéri les paralysés, tout ce que tu dis dans la Bible, si tu l'as fait, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Alors j'ai mis tout mon cœur. J'ai mis tout mon cœur parce que je voulais la guérison. Et j'ai été guérie de ma dépression. Et en plus, j'ai eu la paix dans mon cœur. J'ai vu le résultat au fur et à mesure. J'avais plus ces symptômes et j'avais la paix en moi. Je suis restée 2 ans triste, mais vraiment triste. Je marchais la tête baissée et après ça, au contraire, je souriais, je riais, j'étais gaie. Pas triste du tout. Aujourd'hui, je suis bien, très bien aujourd'hui parce que j'ai eu mon appartement. Je suis toute seule. Et je suis bien, j'ai la paix en moi. Et je suis bien aujourd'hui. Grâce, justement, Dieu a fait son deuxième, pour moi c'est le deuxième miracle, c'est qu'il m'a donné ma maison, mon appartement. Parce que ça faisait 5 ans que j'avais fait une demande de logement. Et là, j'ai obtenu mon appartement. Alors là, je peux vous dire que tous les soucis, tous les problèmes, je n'ai plus, j'ai la paix en moi, j'ai plus tous ces problèmes. C'est comme si je suis libérée de tout ça. Je suis libérée.
Voilà le mot, libérer, libération. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Mais des grandes transformations et des changements. Parce qu'on est arrivé au centre d'accueil dans une situation terrible de pitié et d'humiliation. Et depuis qu'on est au centre d'accueil, on voit que notre vie change pratiquement dans toutes les catégories. Parce qu'on était des gens qui étaient malheureux, c'est-à-dire sans domicile, sans papier, sans travail, rempli de maladies et tout. Quand on est venu, c'était la catastrophe totale. Vous aviez un enfant, n'est-ce pas? Oui. En ces temps, quand on était arrivé, notre fille elle avait 2 ans. En fait, pendant la campagne d'Israël, il s'est passé que j'avais rendez-vous chez un médecin. Et alors, je suis partie voir le médecin pour une routine. Et là, il m'a consultée. Il a observé que j'avais une boule dans le sein gauche. Il m'a dit, madame, est-ce que dans votre famille, il y a des gens malades du cancer? J'ai dit non. Il m'a dit, on va faire des examens. On a fait l'IRM. L'IRM n'a montré qu'il n'y avait rien de suspect, au fait qu'il n'y avait rien de cancer. Et là, il m'a envoyé plus loin parce qu'il a insisté. Et on a fait une biopsie. Et la biopsie a montré qu'il y avait un petit cancer, d'après lui. Hein. Vous êtes médecin, un médecin, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit ici? Et pour bras fibro-adénome supéro-externe droit, lésion d'allure plutôt inflammante de 17 mm développée dans les cadrans externes du sein gauche, nécessitant un diagnostic histologique. Classification ACR4. ACR4 signifie automatiquement cancer. Qu'est-ce que vous avez fait? Et là, mon mari et moi, on a eu la révolte. Déjà, quand on était dans la campagne d'Israël, la révolte s'est augmentée encore. Et là, on a décidé de sacrifier tout. On a dit, on va mettre Dieu à l'épreuve, c'est tout ou rien. Je l'ai accompagné dans le rendez-vous. Et quand le médecin, il annonce ça, et vous savez, on est des humains. Quand on apprend une nouvelle comme ça déjà, ça nous a battus. Et concernant mon épouse, elle était tombée tout de suite. Et déjà, elle a refusé devant le médecin. Elle a dit, non, je ne suis pas malade. Et le médecin, il insiste. Elle a dit, non, je ne suis pas malade. Elle a froissé les résultats devant le médecin. Elle a dit, je ne sais pas, moi, je ne suis pas malade. Et voyant qu'elle était excitée, je lui ai dit, sors, va t'asseoir, laisse-moi, je vais traiter avec le médecin. Et là, je suis resté avec le médecin. Je lui ai dit, vous savez, docteur, on ne méprise pas votre métier, mais nous, on dit que la maladie-là n'existe pas dans mon épouse. Il a dit, oui, monsieur, vous savez, j'ai eu des cas où des gens qui sont venus faire les examens, et j'ai fait l'examen qui s'avérait négatif, mais j'ai insisté pour que les résultats sont sortis positifs. J'ai dit, de la même manière que vous insistez, quand les résultats sont négatifs, et bien moi je vais vous insister à ce que ce qui est positif va devenir négatif. On a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On est monté sur l'autel de Dieu 4 fois. Et là, c'était vraiment notre tout, tout, tout sur l'autel de Dieu. Et Dieu a répondu. Ok, j'ai ici l'autre. Ça, c'est ça. Ils m'ont donné ça. Je l'ai pris ici. Ok. Aspect radiologique de T, bénigne, kyste ou fibro. Adénome, diagnostic à préciser par échotomographie. Sein droit, axe 0, sein gauche, axe 0. qu'est-ce que ça veut dire, ça? Au médecin, ici. Le cancer a disparu et puis il n'y a plus rien dans le sein. Lorsque nous parlons de la prophétie, nous parlons des desseins de Dieu. Nous parlons de la volonté de Dieu. Par exemple, le prophète Isaïe, bien avant le sacrifice du Christ, bien avant sa mort sur la croix, annonçait « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. » Et des siècles plus tard, Christ se donnait sur la croix. Et aujourd'hui encore, nous voyons les bénéfices de ce sacrifice s'accomplir dans la vie de celles et de ceux
qui font abstraction de la logique. Beaucoup de personnes qui arrivent et qui passent les portes du centre d'accueil universel le mardi viennent avec des problèmes de santé pour lesquels la science, la médecine est perplexe, des problèmes pour lesquels la science et la médecine n'est pas capable d'apporter une solution concrète, parfois une amélioration, parfois un soulagement, malheureusement parfois pas une solution profonde, efficace. Mais à travers la foi, à travers la persévérance et en participant aux chaînes de prière du mardi, elles ont trouvé la solution. Vous venez de le voir à travers ces témoignages et nous allons accompagner d'autres témoignages. Aujourd'hui, mardi, comme c'est le cas, chaque mardi, vous aurez la possibilité de recevoir notre aide dans la prière. 7h le matin, 10h, midi, 15h et principalement à 20h, la prière en faveur de la santé. Bien, vous allez accompagner d'autres témoignages et j'aimerais que vous puissiez préparer votre verre d'eau comme je l'ai déjà fait, comme je le fais avant chaque émission, car nous intercéderons en votre faveur. À tout de suite. Tout d'abord, en 1985, j'ai divorcé d'un mari alcoolique qui me frappait et j'avais 3 enfants en bas âge. Je suis donc partie de chez moi, j'ai quitté le domicile. Je me suis retrouvée avec mes 3 enfants chez ma mère qui nous a hébergés pendant quelques mois. Mais pour elle, c'était un grand sacrifice parce qu'elle n'aime pas ses enfants. Elle n'aimait pas ses enfants, donc quand elle nous aidait, c'était du donnant-donnant. Et ses petits-enfants, elle les aimait encore moins. Enfin, divorcer, c'était pour moi un échec. Être chez ma mère, c'était encore un plus grand échec. Et j'ai commencé là à me battre pour trouver du travail, un appartement, et après élever mes enfants seule, puisque je ne pouvais pas avoir l'aide de personne, étant donné que je ne connaissais personne là où ma mère habitait. Et à partir de là, voyant que je me battais mais que rien n'arrivait, qu'il fallait que je demande des aides aux assistantes sociales auprès de la mairie, j'ai commencé à douter de moi et j'ai engrangé une grosse dépression. Je prenais beaucoup de médicaments et plus j'en prenais, et moi ça faisait des effets, mais le médecin en rajoutait toujours un pour pouvoir dire ben voilà, peut-être que celui-là en plus vous permettra de dormir un peu ou permettra de vous rester éveillé le matin. Enfin, c'était un cercle vicieux, mais je travaillais quand même. Et j'ai commencé par moi-même à lire la Bible et à parler avec un petit peu Dieu, mais sans grande conviction. Donc j'étais vraiment au fond du gouffre. Et un jour, je me suis faite moi-même une ordonnance en cachette de mes médecins pour acheter des médicaments parce que je savais exactement ce qu'il fallait faire pour se suicider. Et j'avais décidé de mettre fin à mes jours. Et je suis donc rentrée dans une église traditionnelle où j'ai vraiment pour la première fois clamé à Dieu sans honte. J'ai dit à Dieu des choses horribles. Et je lui ai dit à la fin, comme de toute façon tu ne m'entends pas, tu ne m'écoutes pas, tu ne m'aimes pas, je vais mettre fin à mes jours, j'ai acheté les médicaments, tu les vois, ils sont dans ma main, et je vais rentrer chez moi et mettre fin à mes jours, puisque sur terre c'est l'enfer, autant que je sois en enfer à la mort, puisque je sais que le suicide, tu le réprimandes. Je suis donc sortie en pleurs de l'église. En sortant de l'église, j'ai rencontré 2 personnes. Qui m'ont donné une brochure et qui m'ont expliqué ce qu'il y avait dans la brochure. Ils m'ont parlé de témoignages, qui m'ont demandé si j'avais des gros pourquoi je pleurais, les problèmes que j'avais. Et on a un peu parlé ensemble, j'ai accepté la brochure et je suis rentrée chez moi avec la brochure et les médicaments. Et puis j'ai oublié les médicaments, donc je suis venue un dimanche matin à 10h, à la prière de 10h. Et
J'ai pu quitter le centre d'accueil depuis. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à écouter la parole. Je me disais que j'avais lu ça, mais que j'avais rien compris. La parole, je la lisais, mais je la comprenais pas. Je me suis sentie de plus en plus forte, l'esprit de plus en plus libre. Je sentais que les souffrances que j'avais vécues depuis mon divorce et la haine que j'avais s'en allaient de mon cœur. Je me sentais de mieux en mieux dans mon corps, dans ma tête, parce que j'assistais à toutes les prières. J'allais au travail et je rentrais directement, je venais du travail, je venais directement à la prière de 20h et je venais tous les jours. Donc le conseil que je vais vous donner, c'est que si vous êtes comme moi dans la dépression, il faut que vous sachiez que même si on est passé par des moments difficiles, on continuera à avoir des moments difficiles. Mais Dieu va nous aider vous tous qui passez par ces moments difficiles, à arrêter de pleurer, arrêter de regarder ce qui s'est passé en arrière et d'avancer. Il va vous fortifier, il va vous faire, va vous apaiser votre cœur, il va vous donner tout l'amour que vous cherchiez à droite, à gauche, vous allez le recevoir par Dieu. Cette foi que nous avons et que nous ne savons pas mettre en pratique, il va nous apprendre à le faire et à ce moment-là, nous allons être en paix et pouvoir vivre libre. Ces faits réels que nous accompagnons ont pour objectif d'abord de vous montrer la puissance, le pouvoir de Dieu lorsqu'il agit dans la vie d'une personne. Le deuxième objectif est de vous encourager, de vous motiver à lutter pour le changement, pour la transformation de votre vie. Ne restez pas prostré devant le problème. N'acceptez pas chaque parole comme une fatalité. Il n'y a rien à faire, votre vie n'a pas de solution. C'est un problème de famille, c'est héréditaire. N'acceptez pas ces paroles, n'acceptez pas ces discours qui viennent à vous. Décidez que votre vie va prendre un nouveau chemin. Décidez que votre vie sera différente. Décidez-le en acceptant de croire dans la prophétie. Bien, nous allons intercéder en votre faveur. Notre Dieu et notre Père, nous te présentons cet eau maintenant et déterminons par la foi qu'elle soit consacrée, qu'elle reçoive tes vertus, ton pouvoir, ta puissance. Et lorsque cette personne boira de cette eau, qu'elle reçoive dans son corps, dans son être, la santé, la vie. Elle qui est peut-être malade, elle qui souffre d'une maladie incurable, de maux constants, de douleurs dans la colonne vertébrale, dans les os, elle qui a un problème dans le sang, dans les muscles, dans les nerfs, cette personne qui est traitée depuis de nombreuses années, sans que ce traitement n'ait pu lui apporter un véritable changement, tout au plus une amélioration. Une amélioration qui lui fait déjà beaucoup de bien, mais qui n'a pas soulagé à 100% ce corps meurtri. Qu'à travers le pouvoir de la foi, la même foi qui a permis aux lépreux d'être purifiés, la même foi qui a permis aux paralytiques de marcher, aux sourds d'entendre, aux muets de parler, que cette foi vienne restaurer la santé physique de cette personne. Nous prions pour celles et ceux qui sont dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans les prisons. Mon Père, que cette prière soit une bouffée d'oxygène dans leur vie et qu'à travers, Seigneur, ton esprit, cette vie puisse être restaurée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et cette journée qui commence, nous la remettons entre tes mains. Dirige, inspire, guide nos pas, nos paroles et nos décisions pour que nous puissions marcher vers une vie
abondante et victorieuse. Amen et grâce à Dieu. Buvez cette eau, amis, et par la foi, recevez la promesse de Dieu. Mardi est le jour de la santé rétablie. Vous souffrez à cause de douleurs dans votre corps, dépression, anxiété, maladie ou un autre problème de santé persistant, cette réunion est indiquée pour vous. Nous croyons que Dieu peut guérir à travers l'exercice de la foi. Pour cela, nous allons déterminer la guérison en réalisant une onction là où se situe votre maladie. Participez à l'une de nos conférences à 7h, 10h, midi, 15h et 20h au centre d'accueil 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010 Paris. Ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Toutes les informations sur notre ligne AMI 24h au 01 53 35 85 12 ou sur le www.centredaccueil.net. Centre d'accueil, sacrifiant quotidiennement pour votre idéal. Pour plus d'informations au sujet de ce grand événement de la prophétie, du dimanche de la prophétie, vous avez accès à la ligne AMI 24 heures, le 01 53 35 85 12. Ou plus d'informations sont disponibles également sur notre site internet, le www.centredaccueil.net. Je vous souhaite une excellente journée et n'oubliez pas aujourd'hui, mardi, la prière en faveur des malades. Excellente journée, à demain.